in your violence. Can't show me there's no point in trying. I'm out of line, and I've been silent for so long. Eh bien, salut tout le monde, c'est Temokota, Temogames, et bienvenue, bienvenue dans ce 20e épisode, sûrement. 20e ou 21e, non, 21e, je crois, 21e. Épisode de Ghost Recon Wildlands, et surtout, les amis, bonne année, les amis, bonne année 2018. Nous reprenons le direct sur la chaîne, ça y est, je suis rentré de vacances. Je peux enfin recommencer à tourner. Et du coup, ça signe l'arrêt des vidéos donc, que j'avais programmées pour ces vacances. Et donc là-bas, on a un magnifique petit temple que j'ai remarqué juste avant de lancer la vidéo. C'est magnifique. Et là, il y a des petites villes. C'est bien. C'est mignon. C'est sympa. Et donc aujourd'hui, on se retrouve sur Ghost Recon Wildlands. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, les amis? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que je sais, vous savez très bien que je ne respecte jamais mes promesses. J'avais dit donc qu'on a fait ces trois zones. On les a terminées complètement. J'ai fait quelques petites missions secondaires pour améliorer mes trucs rebelles, mais sinon sans plus. Et donc j'avais dit qu'après on partait ici, à Pien de la Agua Verde. Sauf que je me suis rendu compte que à Pucará, j'avais déjà commencé à explorer la zone. Je ne sais pas du tout comment, quand je l'ai fait, quand j'ai commencé à explorer la zone. Mais du coup, on avait déjà plein mal de petits points à faire qu'on ne connaissait pas. Vous voyez ici, toute cette zone-là. Donc je me suis dit, écoutez, pourquoi pas... commencer en fait faire Pucará et puis on reviendra après sur en haut et puis enfin de toute façon on doit tout faire donc autant la faire je me dis et puis voilà. Donc Pucará c'est un inconnu, c'est la déstabilisation, donc c'est côté influence. Là, vous voyez qu'on avait fait sécurité, production, trafic. Donc là dans tous les cas c'était de l'influence, donc voilà, autant ça change rien les gars, donc autant faire Pucará. Et puis voilà, c'est trois têtes de mort. On était déjà à 3 ici, c'était easy, là c'était 2, donc voilà, pas de soucis. Là, Kohani, ça va être chaud. Mais ok, ça marche. Et donc, on va faire cette zone, et on va voir, ça va prendre du temps, mais on est bien. Donc, c'est parti, on commence notre épisode par une petite camionnette. On va conduire, et où est-ce que nous allons aller, les amis? On va aller déjà interroger le lieutenant. Pour savoir où sont tous les dossiers secrets et tout ça. Vas-y, chauffeur, voulez-vous ta gueule? C'est moche. Allez, il neige dans cette zone. Sympa. Ah, par contre, on va esquiver un peu notre la patrouille de Milan. Ouah! Ouais, je sais, moi je passe. Vous me connaissez, je passe jamais par les chemins. Je ne passe jamais par les chemins traditionnels, si on peut dire. La nuit dernière, j'ai rêvé du coyote, le décepteur. Ah. Alors on va les taper dans le cul. Hop. Alors donnez. Feu à volonté. Je vais péter sa caisse. Allez-y, pétez-lui sa caisse. Bon, faut que je fasse moi-même ou ça se passe comment, wesh? Okay, vous faites rien du tout les mecs. Ah, si vous touchez un petit peu là. Un petit peu. Par contre je suis au max alors. Au plus haut sommet de Bolivie. Et c'est neige éternelle. Ah sympa. Allez vas-y. Allons le choper. Super, on l'a fait. Ok, en poigne. Okay, c'est bon, tout le monde va bien. Interroge. La seule chance de t'en tirer, c'est de vider ton sac. Vas-y, interroge. Donne-moi les points de compétence. Ok. Une info qui peut t'intéresser. Donne-moi tout. Ok, super. Lui, il a un emplacement de points de compétence. Ça, c'est bien. Nickel. En plus, il y en a un là, c'est un écho et il y a une ville ici. Ah, bah c'est cool, on va aller là. Ok, bah, on va commencer direct ici, lieu inconnu. Hop. Comme ça, on aura l'hélico et ça sera tranquille. Nickel. Bon, par contre, j'ai plus de voiture. Ça, c'est un peu relou. Faut que j'en croise une sur la route là. Là, nickel, ici, là. Regardez. Hop, t'es bloqué. Laisse-moi te débloquer. Ne force pas à employer la manière forte. Allez, go. Désolé, je t'écrase, ouais, y'a pas de soucis. Allez, donc on commence fort déjà cet épisode. On a déjà chopé un lieutenant. Donc ça, c'est nickel, il nous a déjà donné les points de... Les points de... Truc. Par contre, ça a l'air chaud au niveau...
tension là. Il y a des voitures en flammes de partout. Ça n'a pas l'air très safe. Ich, très peu le virage. Il y a l'air d'avoir un peu de baston à la clé. Ah. Sorry, je t'ai pas vu non plus. Ah, merde. Ah mais j'ai pas fait exprès, j'ai pas vu qu'il était sorti de la voiture, ça va, tranquille. Je suis con, ah oui, mais j'ai pas vu. Écoute, hein, on peut pas tout voir. Hein. Ah, d'accord, en fait, pour lui, c'est déjà bon. Allez, on continue sur la route tant qu'on n'est pas... Putain, par contre, là, la radio, ta gueule. Juste ta gueule. Alors... Maintenant que nous y sommes... Ouais, vas-y, et après on va dire que c'est moi qui ai écrasé celui-là. Maintenant que nous y sommes, c'est parti. On commence notre mission. Oh oh. Attendez, tenez, attendez, j'ai un petit défi à faire, apparemment. Ah, je vais tuer. J'ai bien sûr observé. Est-ce que ça compte? Ah fuck! Ouais, c'est un drone. On a décollé. Ils savent qu'on est là. Leur capitaine fout le camp. Ok, j'y vais. Je vais lui trouver une ligne de tir. Putain, ils nous ont chauffé au feu. Je l'ai fumé. Ok, par contre, là, je vais avoir besoin de ma vraie arme. Que je m'en fous un peu du lieutenant. Ah ah. Oh, ouais. Putain, c'est un vrai camp, hein. Alors, toi, par contre, je vais t'avoir. Alors, le but, c'est de... J'ai pas dit de le faire. Couvrez-moi les mecs! On a un blessé! Sniper à terre! Ich! Ich, ça fait mal! On a pas dit que je pouvais pas le tuer, j'étais obligé de le tuer à distance. Hein. Ah putain! C'est... Ah, j'ai voulu jouer! Alors en fait, je vous explique pourquoi j'ai fait ça. Je vais vous expliquer parce que sinon il n'y a pas de rapport. Le but étant que dans les trophées, je dois tuer un snipe à l'arme de poing. Et donc j'ai déjà testé, par contre, prends ton temps. Hein. Me sauve surtout pas. Putain, ils ont tué le snipe. Non, mais dis pas que t'as tué le snipe. Merci, il y a une médaille du cartel ici. Quelque part, j'en connais un qui va franchement tirer. Putain, il a tué le snipe. Ouais. Bon, c'est pas grave. On va faire. Un basse. Hop, la point de compétence. Hop, les points de compétence, on va les mettre sur la carte. Les renforts ennemis rappliquent. Ouais, et c'est pas mon problème. Donc, un tel localisé, super. Ah, fuck. Sur au pigeon. C'est parti, Lucky Luke activé. C'est bon? Oui, il y en a encore. Il y en a encore? C'est quoi ces insignes là? C'est quoi ces trucs? Quels équipements? Il y a un truc que j'aimerais bien voir ce que c'est. Ça, vous voyez? Ah, c'est des lampes. D'accord. C'est les éclairages électroniques, d'accord. Alors, où est-ce qu'il est notre... Voilà. Ça va, 2 secondes. Hop. 27 compétences disponibles. Ok. Bon, bah, c'est pas vraiment ce que j'espérais. Au moins, on a fait le truc, il y en a une au... On a nos infos. Là, c'est un dossier Kingsley, mais il est pas dans. Il est pas dans. Putain, j'ai changé de zone là? Putain, j'ai quasiment changé de zone en fait. Je suis plus à.
D'accord. Donc en fait, moi je te fais ça, mais c'est dans la zone de Incaminada. D'accord, ok. Super. Génial, Vincent. Je t'adore. T'es génial comme mec. Alors, bon, on va aller prendre notre petit hélico. Bon, moi, ce sera déjà fait. On aura plein de trucs à récupérer. Et on va revenir quand même sur le terrain qui était quand même ici. Donc, on va aller. Engagé, c'est vrai. Il y a encore des mecs. Allez, hop. Ok, mais vite, parce que bon, je suis bien gentil, mais ouais. C'est pas vraiment un peu. C'est pas vraiment l'intérêt de l'épisode, en fait. Vous êtes bien sympa. On va revenir dans nos terres. Voilà, Poucar, c'est ça. Exactement. Donc, on va aller vérifier un petit peu les villes. On va aller voir ce que c'est. C'est quoi ça? Piste d'atterrissage de fortune. J'ai repéré un avion de ravitaillement. Il a l'air plein. On devrait prendre. Ça pourrait servir aux rebelles. Allez, tuez, tuez. C'est parti, Ok. ils ont vu. Allez, on descend. On va récupérer les trucs. J'ai une caisse d'armement en visuel. Allez, prends. Nickel, accessoire acquis. Nickel, enquêtez, vas-y, enquête. Nickel, oh là là, on continue. Point de compétence. Dans cette zone cette fois-ci, merci. Parce que. Parce que c'est un peu con d'avoir fait en fait cette zone-là plutôt que. Mais au moins j'ai tout pris. Moi, il y a tout. Alors, donc ici c'est partout. Là, il y a un truc, des médicaments. Et on pourrait la faire. J'ai combien en médoc? Non, c'est pas ça que je voulais. Voilà, j'ai combien en médoc? Médoc, j'ai 8900. Ouais, ça pourrait le faire. Et j'ai 3 points de compétence 21. J'avais envie de faire ça. Voilà, j'avais envie de faire un visée rapide. Ouais. Tac, comme ça, au moins c'est fait. Bah écoute, on va la faire, allez, on va la faire. Ça nous fait un petit truc en plus. Parce que là, ça va être que de l'exploration. 10 km 8! Attends, 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 c'est où son bordel là? Oh là là là, sérieusement. Pourquoi j'ai accepté? Pourquoi j'ai accepté? Je ne sais pas. Bah, pas grave, on est parti. Hein. Allez, on est parti pour 10 km d'avion. J'adore. Phare, on coupe les phares. Ce sera bien. Et puis, tant pis si on a. Comme ça nous fait découvrir la zone. Hein. Honnêtement, bah, regardez, c'est très bien, puisque voilà, comme ça, ça nous fait une percée. Et on pourra après voir tout le reste. C'est con parce qu'on passe au-dessus de trucs là. Allez, 9 km déjà, ça va aller vite. Puis je vous rappelle, je suis pilote privé. voilà. Non, mais c'est bien, tant mieux. Au moins, ce sera fait, on n'aura pas besoin de la refaire après. Mais je trouve ça juste un peu con que ça soit si loin, par contre. Puis comme ça, regarde, on voit la région, c'est nickel. Voilà, c'est nickel, regardez. C'est très escarpé, par contre. Bah, parachute le mec. Parachute! Il est complètement foutu. Ouais, je vous avais dit. De toute façon, je vous l'avais dit, c'était sûr à 400% que de toute façon, on n'allait pas faire l'émission. Allez, on va aller à la ville là-bas. Et puis on sera tranquille. Au moins, le parachute, ça va vite. Et voilà, c'est nickel ça! Bon, alors je suis où exactement là? Putain, faut revenir en arrière. Je suis sorti du truc, je suis sorti de Poucara. Je suis sorti de Poucara. Alors, ouais, faut revenir en arrière, c'est ça. Alors, du coup, on va revenir en arrière. Demi-tour, gauche. Voilà. C'est parti, on revient. L'épisode haché, quoi, qui va rien faire. Y a rien, y a personne. Bienvenido a Poucara. Ben, voilà. Bon, bah, je vous ai dit que ça allait me servir à rien, mais
J'ai demandé à Pac Qataré de nous envoyer un véhicule. Ah ! Oh les mecs ! Oh, il est arrivé en mode. Putain, c'est des barres. Voilà, allez, c'est parti, on y va. On va visiter. Ok, pour moi, on y va. Bon, bah, c'est bien. En fait, ça me sert ce truc. Hein. C'est sympa. Moi qui disais juste avant de tourner qu'en fait ça me servira à rien parce qu'à chaque fois on voit jamais les. J'utilise jamais les compétences rebelles. Bah j'y penserai. J'y penserai la prochaine fois. Allez. 600 mètres, ça va être rapide. Ah, ben, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes en tout cas les amis. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, que c'était cool, que vous êtes reposés, que vous avez vous êtes ressourcés. Ces mausolées font limite pitié par rapport aux autres. C'est le cartel qui les construit pour ses buts de jeunesse. Bah, vous savez quoi, j'assume. Ouais, moi aussi je vois un truc comme ça à ma mort. Tu te prends pour un imbécile? Ouais, c'est ça. Personne chez nous d'assez taré pour avoir envie d'un truc pareil. Il y en a un. Eh bon, t'es prêt? Bon, on reste comme ça toute la nuit. Reçu, cible désignée. J'ai plus la cible en visuel. Eh, t'as. Ça sert à rien, négro. Voilà, ça, c'est du tir efficace. Hop, une balle à mort. Allez, c'est parti. On va pouvoir déjà aller chercher. Ah, c'est de la bouffe. On va pouvoir déjà aller chercher notre première mission principale. Si on fait ces marchandises aux rebelles, on sera dans leur petit papier. Hop. Nickel, 250 de carburant, c'est ce qu'il me fallait. Concentrez-vous. Tout cas, personne. Donc, c'est cool. Ça va, on a de la compagnie. J'ai une cible. Je me mets en position. Avec quelqu'un, il n'y avait personne. Voilà. Oui, c'est réglé. C'est fini. Alors, on a apparemment de la marchandise encore, du carburant, nickel. J'ai besoin de carburant en fait, c'est ce qui me manque le plus en vrai. 50, c'est pas ce qui me. Bon, c'est pas grave, je prends quand même. Il y a des infos à les prendre, il y a un Tossy King's Layer à choper aussi. Alors. C'est quoi? Ah, oui, d'accord, il dort en fait. Silencio, marche. Ta seule chance de t'en tirer, c'est de vider ton sac. Ok, ok. Ok, j'ai les cases d'équipement. Une info qui peut t'intéresser. Vas-y. Oh bah nickel, tout ça. Oh là là. On a tout, hein, tranquillement, sans pression. Là, c'est quoi? De la bouffe encore. Ok. Là, c'est un de ces kings d'ailleurs. Je prends. Il t'aime encore plus que son chien. Il parle même de rejoindre la Santa Blanca. Et à 10 ans, c'est déjà un grand gaillard. Comme son père avant lui. Gracias, gracias, mamacita. Ça me touche beaucoup. Je vais voir si je peux en parler à El Sueño. Il a toujours besoin de jeunes soldats. Surtout ceux qui ont les crocs. Vale, vatos, c'est tout pour aujourd'hui. Perico, rend l'antenne. Vous retrouverez tout à l'heure votre DJ préféré de tout l'altiplano. Tu m'étonnes que je vais en parler à Sueño, comme s'il m'écoutait encore. Voilà, hein. Bolo ça. Allez, c'est parti. Premier dossier. J'ai trouvé un reçu pour la construction d'une cabine insonorisée. Ça doit être pour la station de Perico. On va aller voir à cette adresse. Ah, mais c'est monsieur Perico de la radio. Ah, mais je vais me faire un plaisir de lui fermer sa bouche, lui, parce qu'il me casse les couilles avec sa vieille radio de merde. Ah, on a une caisse d'accessoires juste ici.
Ah bah c'est génial, je l'ai pas vu. J'ai failli la rater, tiens, comme un bouffon. Allez. Je vois une caisse d'armes par ici. Il était vénère, hein. Ouais, mais c'est ton job, donc. Ah ouais, ça je prends. Nickel, accessoire acquis. Inspecter l'accessoire. Alors, le gunsmith. Oh. Ok, 47 de monsieur. Oui, ben. Merde, c'est pas ça que je veux. Non, c'est pas ça non plus. Alors, c'est. Équipement. Est-ce que j'ai des trucs encore équipés ou pas? Fini d'assaut. Voir dans le gunsmith. C'est pas ça que je veux. Laisse-moi choisir. Modifier l'apparence. Non, c'est pas ça. Quand je modifie mes armes, encore ça, j'ai déjà oublié. Oh là là. J'ai déjà oublié comment modifier les armes. Modifier. C'est carré. Peinture prédéfinie. Là. Oh, d'accord. Okay, on s'en fout. Ah putain, il y avait encore de la peinture. On va trouver. Ah, je vais passer là. Ok, c'est bon. Tac. Oh bah nickel, on a fait la zone. Allez, on prend l'hélico et on bouge. Ça commence à faire jour. C'est nickel, j'ai pas dormi de la nuit. Hein, je sais que ça va faire taffer la nuit aussi. Alors. Hop. Et où est-ce qu'on va aller à partir d'ici? Parce que là, du coup, on a trouvé. Ah, je vais aller là. Allez, hop, c'est parti, juste à côté. Juste au-dessus. Je sais pas ce qu'ils construisent, mais c'est juste au-dessus. C'est bon pour moi, go! Elle saute! Wouah! Ouais, tu es mort? Mais non, arrête-toi. Arrête-toi, comment je suis mort là? Comment j'ai pu mourir? Dis-moi tout. Dis-moi tout. Alors, par contre, les missiles de combat, ils commencent à me péter les couilles. Hein. Clairement, je peux même plus prendre un hélico sans que je me fasse éclater. Donc, clairement, ça me casse les couilles. Et clairement, je vais devoir trouver le radar qui me chope à chaque fois. Ouais. Voilà, faut rester vraiment près du sol. Je sais qu'avec les radars, faut rester près du sol. Ah, même juste en dessous, ça va. On va essayer de grimper. On doit aller, je rappelle, au mausolée de Soigno. Ici. Il y a un dossier Kingslayer. Là, il y a la base de Pukala. Et il y avait pas de compétences du côté de cache d'Intel. Oh là là là. Il y a trop de choses. Allez, monte. Grimpe, sorcier. Monte à la verticale. Voilà. Voilà, mausolée de Soigno. On y arrive en plus. Hein. Je me fous de sa gueule, mais on y arrive. C'est bien, il grimpe bien, il grimpe bien. Très bien, très très bien. Allez, continue. Bien attention, il y a des ennemis dans le coin. Dernier petit effort, base de Poucar, on a trouvé. Allez. Nickel. J'ai repéré un capitaine. Une batterie fixe. Ennemi désigné. Les limites visibles là, recul. Ah, c'est bon, je les ai tués. Soupçonné. Faut pas soupçonner de quoi. Pour une batterie fixe. J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. Hein? Compris, je l'ai dans le viseur. Il y a une alarme là. Bon, déjà, le mec tue le là. On a donné un coup de pied dans la fourmilière. Putain, ils étaient deux par tourelle à chaque fois. Ok. Oh, y'a rien. Y'a rien. Ils n'ont pas vu qu'on était sur la colline, regarde. Putain, il est encore là, lui! Le nombre de balles que je lui ai mis. Merde.
Le bec dans les rochers qui me fait prendre une balle. Ah là 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 là. Ah, c'est. Ah, cette arnaque du jeu. Putain, c'était juste. Bon, les mecs, que par contre, feu. Restez là. Non, non, reçu. Feu. Reçu. Bon, bah lui, c'est réglé. Niche. Niche. So. Mais il est où? Putain, mais qui me mettait des balles? C'est incroyable ça, j'arrête pas de mourir comme un caca. Bon, on va y aller plus. On va y aller plus discrètement. Parce que là, ça va pas là. Là, ça va pas du tout. Ça fait deux fois que je meurs comme un caca. Rien ne va plus, les amis, rien ne va plus. Rien ne va plus. N'importe quoi. On est là, on fout la merde là. On fout la merde, on fait de la merde. Et ça me plaît pas. J'aime pas faire de la merde dans mes épisodes. Bon, alors où est-ce que je suis? Bon, je suis ici. On va suivre cette putain de ligne de chemin de fer. On va aller prendre le dossier. Allez. Question, est-ce que la ligne de chemin de fer passe par là? Oui, elle passe par là. Et la route, il va aussi. S'il y a une voiture. Il n'y a pas de voiture. Ok, bon, on va prendre le chemin de fer. C'est parti. Ah, j'aime pas faire du caca dans mes épisodes. 250 mètres. Allez, hop, c'est fini. Là, 250 mètres. C'est bon, ça va être rapide. On termine ça et après on terminera l'épisode. On nettoie cette zone et puis on terminera l'épisode. Puis on sera bien. Même si j'ai fait de la merde. On a des ennemis sur zone. Je vois deux narcos sur zone. Tu les situes où? Au point de contrôle. Mobile vers position. Il faut une meilleure position. Reçu, cible marquée. Il y en a que deux. Je l'ai buté. Voilà. Et il y en a plus. Ensuite, ici. Il y a qui ici? Drone actif. On va prendre le drone. C'est plus simple. Ils sont tous à l'intérieur, ça. J'en vois un autre. Ennemi numéro 3. Est-ce que si j'attends un petit peu, c'est... On va attendre un petit peu dans 5 secondes, j'ai bon. C'est ma synchro. On va le faire là. Voilà. Hop. 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 Je vais me chercher une position de tir. Le repérer. Je désigne un capitaine. Il y a un capitaine là. Je suis prêt, quand tu veux. Ouais. Ah, si je sais pas tirer aussi, putain. Allez, hop. Ils sont morts. On peut avancer. Par ici, c'est bon. Allez, on y va. On y va. On a de la compagnie, tenez-vous prêts. Mitrailleur lourd du cartel en visuel. Ah merde, ouais, c'est ça au-dessus, ça. Hop, on balise. Ça, c'est fait. On continue de baliser. Avec le carburant. Voilà. Allez, enquête. Allez, prends le document. Ok, c'est une photo. Allez, voir la photo. Photographie de jeunesse de DJ Perico et son frère Manolo, abattu à Los Angeles pour soigner le moral des troupes. C'est ça, ouais. Et ben, on va lui faire autre. La porte. Au nez, ça veut rien dire. On va lui claquer la porte. Allez, on monte, on continue. Je n'abandonnerai pas tant que je t'aurai pas pris, toi. Alors, on va se foutre là. On va faire étape par étape. Hein. Là, c'est pas des méchants, d'accord. Non. Putain, il faut une meilleure position. 1, 2. Reçu, cible désignée. Cible repérée, quand tu veux. Et hop. Ennemi à terre. Tac, ça, c'est bon. On peut encore un peu avancer. Tout doucement. Je sens qu'il y en a là. Ah, j'étais sérieux ou quoi? Il est sérieux ou quoi? Je peux te tirer, connard.
Faites gaffe, ils savent qu'on prépare quelque chose. Ouais, ils sont là. C'est quoi, rien. Hop. Le drone. Je me mets en position, je vais me trouver une ligne de tir. Ok, je me... Ils vont droit sur nous. On fait quoi, chef? Compris, je l'ai dans le viseur. À taper les... À ton signal. Et hop. J'engage, j'engage. La cible est neutralisée. Voilà. C'est fait. 3. Ils sont morts, là, il y en a 2. En moins. Et lui, je vais l'avoir. Voilà, il est mort. Ok, c'est bon, on peut y aller, mec. RAS de ce côté. Vous êtes tous su. Et avec un peu d'infiltration, ça passe. Là, y a rien, vraiment, sûr. Ah, on est quand même traqué, d'accord. Est-ce qu'on peut avoir le mortier? Oui, parce qu'ils sont en haut, quand même. Ah, c'est le train. Putain, il fait peur. Il fait flipper, ce point. Ah, il a failli cramer. On peut encore continuer. Normalement, on va tout terminer. On va aller là. Allez. Ah merde, il y a une patrouille qui arrive. Là. C'est au-dessus ou c'est là? Non, c'est là. On s'en fout des sicarios en bas. Faut monter. On déploie une balise, les rebelles enverront quelqu'un avec la balise. Ouais, on monte. On s'en fout de ce qu'il y a. Si on monte, ils vont pas nous voir. Et après on se cassera en hélico de toute façon. Allez. Voilà. C'est bien, on continue. On fait la base. On y arrive tranquillement. Ça va le faire. Avec de l'infiltration comme d'habitude. Allez, droit. Je vais me chercher hop. Une position. Il y a 3 déjà. Je suis prêt, quand tu veux. Et 3, il passe. Ennemi à terre. Voilà. Attention, je crois que fixe. Mais j'ai fini les alarmes. Merde, je commençais juste à prendre des ennemis sur zone. Il n'y a plus personne, on peut y aller. On va juste devoir rester un peu caché de du capitaine. Sinon, on va faire ça. On peut y aller. Ah, c'est un peu là. Un bâtiment. Ok. Merde, putain, il y avait un deuxième. Il est mort. Ok, nickel. Super, il a pas eu le temps d'utiliser sa gun. C'est bon, on est tranquille. Ça, c'est magnifique hein, quand même. On parle, mais c'est quand même magnifique. Hein. Allez, quels armements, vas-y. Dis-moi ce qu'il y a dedans. Super, c'est pile ce que je voulais. Ouh, une mitraise légère, laisse voir. Nouveau, mitraise légère. Vas-y. Oh là là, elle est belle. Ah ouais, non, je prends rien. Sûr. Et du coup, il y a des pièces, lunettes. Lunettes vue panoramique. Hop, on va la mettre. Super. J'ai pas en fait essayé. Alors, ouais, il y a juste une portée, une pénétration. Après, la précision est moins bien, la maniabilité est moins bien, dégâts un peu mieux, cadence et réduction du bruit, ouais. Ouais, non, je vais prendre lui. Et lui, alors, laisse voir s'il y a mieux, quand même, parce que bon, je sais très bien qu'il y a mieux, mais... Réduction du bruit... Ah, j'ai moins de dégâts...
Précision, c'est sans snipe. Ouais, ils vont trouver en fait qu'il soit beaucoup mieux que. Mais tout ça, c'est pas encore débloqué. Lui, il est sympa, mais il est pas assez. En plus, c'est ce que j'ai. Non, c'est parce que j'ai réussi un snipe. Ok, bon, on va garder la canne, monsieur, parce que pour l'instant, c'est ce qu'il y a de mieux. Les persos, je m'en sors bien avec, hein, donc clairement. Je vais pas changer pour si peu. Allez, donc on continue. Ça, c'est nickel. Donc maintenant, on monte ici. Pour choper le dossier. Allez. Eh, c'est toute une escale, hein. Faut pas non plus faiblir. On arrive, on a voulu faire les bourrins, on est mort deux fois, bah maintenant on arrive en normal et ça va le faire. Ennemi dans la zone, en position de tir. Ennemi dans la zone. C'est beau les décors, c'est très très beau. C'est magnifique d'évoluer dans un environnement comme ça. Forcément quand l'environnement il est bien, forcément vous allez bien. Vous allez aimer le jeu et vous allez vouloir y jouer. À ton signal. Et hop. Il est mort. 300 morts, nickel. Allez, on continue d'avancer. Okay. Par contre, c'est énorme. Le complexe est énorme. Le complexe est énorme. De ces King Slayer. C'est parti. Hop. Légende. Alors, le mausolée d'Alicarnus. Ah bah oui. Bah oui, c'est exactement ça. C'était une des sept merveilles du monde à l'époque, des Grecs. Donc le mausolée d'Alicarnas était un monument funéraire antique érigé sur une colline surplombant la ville d'Alicarnas, c'est ça, en Turquie. Il fut construit par la reine Artemis en honneur de son époux Mausol. Ce bâtiment est l'une des sept merveilles du monde antique, c'est ça, exactement. Fait de marbre gravé, il mesurait environ 43 mètres de haut et dominait la ville pendant plus de 17 siècles avant d'être détruit par un séisme. Waouh, au 14e siècle. Ouais. Et ils décident de le reconstruire, non. Non, je pense pas. C'est quoi ça? Oui, cache d'antenne. Je dois aller chercher le point de compète. Le point de compétentiel là-bas. Alors, le mausolée d'Alicarnas, j'en avais déjà entendu parler. J'ai déjà visité un ou deux mausolées dans ma vie. Ah, mais lui, il est magnifique. Alors, celui-là, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Ah, lui, il est magnifique. Et on est censé croire que Soigno est un dieu. En tout cas, lui, il y croit. Ah, je peux pas passer par là. Non, je peux pas. Parce que, honnêtement. Putain, regardez-moi ça, quoi. Waouh. Ouais, je disais, donc j'ai déjà entendu le mausolée d'Alicarnas dans ma vie, puisque j'ai joué longtemps, dans une très grosse période. En plus, il y a un écho, c'est nickel, pour directement repartir dans le prochain épisode. Et j'ai joué à beaucoup de jeux grecs, en fait, dans ma jeunesse. Parce que j'adorais ça. Hein. Surtout joué, en fait, à... Près de la caisse de matos. Ouais. Je me mets en position. J'ai surtout joué à Grepolis, je ne sais pas si vous connaissez, mais ouais, j'ai surtout joué à ce jeu-là. J'ai plus la cible en visuel, j'ai perdu le visuel. Ouais, donc on va voir là. J'envoie un troisième. Ok, j'ai repéré. Avec lui, c'est le seul. Compris, je l'ai dans le visuel. J'ai perdu ma cible. Ok. Bien sûr, mobile. Je vais trouver une ligne de tir. Allez, chope les deux. J'ai perdu la cible. Ah putain, vous me saoulez. Et donc, ouais, j'ai beaucoup joué à Grepolis, et donc du coup, bah, ça me permettait de savoir pas mal de choses. Et dans Grepolis, une fois que vous avez... le but, à la fin, c'était quand même de construire les 7 merveilles du monde sur le monde où tu étais. Du coup, c'est pour ça que... J'ai repéré un capitaine. Pour ça, je connais pas mal de choses. Ok. He's dead. Dead or alive. Médaille, vas-y. Ils nous ont vus. Mais non, ils ont rien voulu. Arrête un peu. Là, il y a un susboul. L'emplacement est marqué là. Un susboul. Dépêche, dépêche, dépêche. Il y a un mec qui arrive. T'as raison, en fait. Boum. Tu bouffes le béton, mon gars. Là, il y a quelque chose. Il n'y a personne pour nous voir. C'est des civils. On va y toucher. Non, je vais baliser ce truc et après on va voir. Donc, c'était ça. Non, c'était ça. Les médocs.
plus 100 de médoc, ça c'est bien. Bon, ils sont dans la tente. Dans la maison. Dans la maison. Ils sont dans la maison. Est-ce qu'il est à l'étage? Voilà. Oh. Il y a notre couillon là. Est-ce qu'il serait pas bugué? Troisième étage. Ah oui, d'accord, j'ai appelé le troisième étage. Il est tout en haut, comme d'hab. Voilà, il est là. On est en train de se faire sniper. Attendez. Voilà. Ouais. Ouais, au pistolet, nickel, j'ai obtenu le trophée. Ah bah putain, il tombe à pic lui. Lui, il tombe parfaitement. Hop, ta gueule. Quoi? Un dernier mec ici, et je vais tomber. Alors on va le choper vite fait. Le point de compète. Et après, on va fuir. Parce que je pense qu'on a fait pas mal de choses quand même. Donc voilà. Putain, mais nickel! Genre, il tombait à pic le snipe. Nickel. Allez, le point de compétence. On prend. Ça fait plus 5! Plus 5 de points de compétence, waouh. Et ben dis donc, ma Z. Le drone, alors le drone, j'ai appris qu'il pouvait exploser. Blindage, IEM, ça ce serait bien ça, IEM. Vitesse. Alors on va augmenter sa vitesse. Voilà, comme ça, attaque, marquage de cible, marquage de zone. Notre drone est plus apte à repérer les cibles. Infiltration, atténue bruit. Recharge, mine sonore. Allez, infiltration. Voilà. Comme ça, on l'améliore un peu. Et c'est nickel. On va avoir un drone surcoté. Et donc, on y va, les amis. Oh, qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce qu'il fait, là, lui? Eh, les mecs! Faites quoi? Mais tuez-le! Voilà! Vous me faites chier. Attendez, vous l'épargnez. Non, mais genre... Et il est où, mon hélico? Il est où mon hélico, là? Il est là. Bon, bah écoutez, les amis, je vous fais tous de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à abonner à la chaîne. Et où est-ce qu'on va aller? On va aller à la ville des Todos Santos. J'ai même pas besoin de prendre l'hélico. Oh, c'est nickel. Allez, ville de Todos Santos, déployée. Et on se laisse là. Voilà, oh, regardez ça, c'est magnifique. Je vous fais tous de gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Partager, à abonner à la chaîne. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Avec plaisir, toujours. De Ghost Recon Wildland. Et je le répète, n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter, la page Demo Games, comme ça s'écrit, comme la chaîne YouTube. Vous tapez ça sur Twitter, vous suivez et vous aurez toutes les informations dont vous aurez besoin sur cette chaîne. Voilà. Je vous fais tous de gros bisous. Ciao, ciao. Attendez, enfin, je dis ciao, ciao, mais on attend quand même qu'on arrive à la ville des Todos Santos, parce que sinon, c'est drôle, là. C'est pas assez drôle, tu vois. J'essaie de le faire avec l'accent mexicain, mais j'ai jamais su rouler les R. Alors ça, les gars, c'était un de mes défauts en espagnol, c'est que je ne savais jamais rouler les R. La meuf, elle me disait « Roule les R, roule ta langue !» J'étais là, mais je roule ma langue, qu'est-ce qui me fait chier? Quand même, bisous à Madame Barra, super prof d'espagnol que j'adorais. Bien sûr, ce connard, il m'a opposé, il n'aurait pas pu me foutre ici, là. Non. Ouais, dédicace à Madame Barra, un gros bisou, je l'adore, elle est géniale comme prof, donc franchement, rien à dire. Ouais, je vous fais à tous de gros bisous, ciao, ciao.